Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo assez spéciale qui s'intitulera mon setup 2018. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, pour moi, le mot setup, c'est montrer à peu près son endroit où on travaille, entre guillemets, sur YouTube ou sur autre chose, hein, on s'en fout. Et surtout son bureau, en fait, son espace, quoi. Voilà, donc en fait, je veux juste vous montrer, faire une petite vidéo setup 2018. Pour vous montrer en fait comment j'ai réaménagé en fait mon nouveau bureau. C'est parti. Donc là, vous voyez, je vous fais un petit plan comme ça, vous voyez pas vraiment grand chose, mais bon, je vais vous montrer en fait objet par objet. Donc là, on va commencer tout de suite par mon bureau. Mon bureau, en fait, je vous le filme vite fait. C'est pas le plus important, voilà, donc je l'ai acheté. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à chaque fois mes liens, les liens en fait de tout ça, en fait, de ce bureau et autres. Dans la description pour vous montrer au cas où si vous voulez regarder les prix ou acheter, je sais pas, je vous mettrai à chaque fois les liens dans la description. Voilà, donc en fait il y a déjà cette chaise que j'avais acheté, je crois, il me semble, mon père m'a acheté, il me semble 70 €, un truc comme ça, et qui est vraiment nickel comme chaise. Moi, pour ma part en tout cas, c'est une chaise, c'est vraiment, quand je dis une chaise, c'est vraiment une chaise, quoi. C'est pas une chaise de gamer machin, c'est juste une chaise juste pour travailler, entre guillemets, qui est vraiment confortable et assez grande par rapport au bureau. Après, bon, la veste, on s'en fout. Après, donc là, je vais vous montrer. Donc, en fait, il s'aménage comme ça, le bureau. Donc, là, la souris sans fil que j'ai acheté, il me semble, 10 € sur Amazon. C'est pas très cher, quoi. Bon, l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un Lenovo. Donc, c'est pas un ordinateur de fou. C'est ce que j'ai eu il y a 2 ans à Noël. Et je vais bientôt m'en acheter un nouveau. J'espère un MacBook. On verra bien par la suite. Mais bon, en attendant, c'est grâce à ça que je peux faire mes montages. On a ce trépied là, qui ne m'a pas coûté très cher non plus sur Amazon. Je ne sais plus combien je l'avais payé aussi, qui me sert aussi quand je dois faire des vidéos, me filmer et filmer en même temps la play. C'est ce qui me sert en fait à bien garder mon téléphone. Bon, ça, la boîte, on s'en fout. Après, il y a la recharge pour les manettes que je vous avais parlé dans mes vidéos précédentes. Là, il y a ma recharge à induction, un Belkin, que je vous avais dit. Je vous mettrai tout dans la description. Donc, la lampe que j'avais achetée, je crois, chez Conforama, pas trop cher, mais le but, moi, c'était juste d'éclairer, en fait, tout mon bureau, cette boîte-là, plus le reste. Donc, en fait, ça, c'est juste, je vais pas dire mon atelier de travail, mais c'est parce que, étant donné que dans les vidéos, je vous avais dit que je réparais pas mal de téléphones, je rachetais des téléphones cassés ou réparés et autres, et je les réparais pour les mettre à neuf. Et les revendre, donc ça c'est juste pour vous montrer en fait que je fais aussi les téléphones. Voilà, donc ça c'était une vue d'ensemble avec ma télé comme ça qui est au mur. C'est pas grand chose, hein. Après juste ici là, on voit pas vraiment, j'ai la play avec juste là mes jeux et autres. Mais bon, c'est pas un truc de fou. Là c'est dans mon tiroir, donc tout ce qui est pour mes téléphones et autres. Pour travailler, ma boîte d'iPhone et tout, mes Samsung, mes autres, mes écrans et plein de choses comme ça. C'était vraiment une vidéo assez simple, pour vous montrer, assez courte et simple. Là, c'est où je mets toutes mes affaires d'école et autres. Mais bon, ça, c'est pas le plus important, donc on passe. Et puis, la dernière porte, je sais pas si vous voyez bien, donc là, c'est juste des vieilles boîtes, en fait, pour pouvoir mettre les choses dedans. Donc là, il y a tout ce qui est... mes écouteurs et autres que j'avais stocké là-dedans, mais ma coque et tout, d'iPhone combien en fait, oui, d'iPhone X, X, ouais. Je me demandais pas pourquoi une coque d'iPhone X, c'est une longue histoire. Là aussi, dans la boîte d'Adidas, j'ai mis tout ce qui est les boîtes de Samsung, machin, l'écouteur Apple et tout, plein mes papiers et tout. Bon, en dessous, par contre, c'est pas vraiment important, hein, c'est juste mes médicaments. Sauf même si vous voyez pas, c'est pas grave, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc en fait, je vous montre à peu près de loin comment il est mon setup. Donc il est assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un setup de ouf. Parce que j'ai vu, il y a des youtubeurs qui ont des setups à 1000, 2000, 10 000 € des fois. C'est pas trop mon truc. Et puis en plus de ça, j'ai pas les sous pour mettre 10 000 € juste pour un setup, quoi. Moi, c'est juste un petit bureau pour me permettre en fait d'étudier. Enfin, c'est un grand mot.
de pouvoir surtout travailler en fait sur mes téléphones, sur mon ordinateur pour mes montages, de surtout pouvoir être tranquille pour pouvoir jouer à la play, recharger mes manettes et autres. Voilà, donc ça c'était une vidéo setup, je trouvais ça assez sympa de vous montrer en fait là où est-ce que je tourne mes vidéos et tout, parce qu'étant donné qu'avant j'avais un bureau, c'était pas vraiment un bureau, c'était surtout deux chaises, non deux tables, excusez-moi, qui étaient collées l'une à l'autre. Donc maintenant j'ai enfin mon propre bureau quoi, et donc je trouve ça vraiment super cool. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai à chaque fois le lien dans la description de tous ces objets, la lampe, la recharge induction, l'ordinateur si vous êtes intéressé, peut-être la télé aussi, j'en sais rien, le trépied, la recharge manette, mes jeux au cas où, j'en sais rien, la chaise aussi. Voilà, donc une vidéo assez simple où je vous montre en fait mon setup. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.